Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena et une nouvelle présentation de deck. Aujourd'hui, retour sur une couleur que je vous avais déjà présentée tout au début de M21. Mais cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose de plus performant, de plus travaillé que ce que je vous avais proposé. Du coup, direction le mono-noir aggro. Le petit mono-noir aggro qui, ma foi, fonctionne plutôt pas mal, comporte de belles cartes bien sympathiques. On a un aspect un peu gestion de créatures et un petit peu de contrôle. Et on a des créatures qui sont dangereuses sur le champ de bataille. Des petites créatures qui vont pouvoir gonfler. D'autres qui sont très très puissantes et qui peuvent poser énormément de problèmes au deck qui n'aurait pas de réponse rapide à ces créatures là et du coup c'est ce que je voulais vous présenter. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous plaît, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez le contenu que je vous propose sur Magic et Magic Arena. Allez, on va voir un peu plus en détail le contenu de ce petit deck. Donc comme vous pouvez le voir, il est totalement noir, mono noir bien entendu. Et si jamais ça vous intéresse, la decklist est dans la description, vous allez pouvoir voir le détail de ce deck là, les courbes de mana, le contenu des cartes, vous allez pouvoir l'exporter pour l'importer dans Magic Arena. Bref, après à vous de voir si vous souhaitez le customiser, l'adapter, faire ce que vous voulez faire avec pour kiffer tout simplement. C'est fait pour ça. Alors, de quoi est composé ce petit deck? Nous avons Duress. Duress qui est une très très bonne carte pour un mana noir. En fait, l'adversaire révèle sa main. On choisit une carte non créature et non terrain. Et ce joueur se défausse de cette carte. Donc on est vraiment là sur un peu un aspect contrôle. Si jamais on souhaite avoir un peu plus de gestion de board, on peut décider face à un deck agressif de mettre des sorts qui détruisent des créatures potentiellement. Bref, on peut alterner plusieurs points, de la destruction ciblée de créatures, la destruction de masse, par exemple le fameux spell dont j'ai oublié le nom, qui coûte 3, qui fait -2/-2, c'est où que c'est qu'il est? On peut faire du reborn, donc retourner des permanents qui sont morts, voilà, c'est le cri du carnarium, qui fait -2/-2 à toutes les créatures. On peut très bien décider de mettre ça, on peut très bien essayer de voler un petit peu et mettre le Demonic Embrace. On a beaucoup de choix différents pour ce type de deck en fonction de comment on souhaite le jouer. Donc là, en l'état, il a 3 Duress, il a 4 Gutter Bones, donc c'est la fameuse 2-1 pour 1 qui arrive en jeu engagé, et quand on inflige des blessures, on paye 2, elle revient dans notre main depuis le cimetière. On a le Chevalier de la Légion d'Ébène, une 1-2 pour 1 qu'on peut booster pour 3 mana qui gagne +3/+3 le contact mortel et qui, à chaque fois qu'un adversaire perd au moins 4 points de vie, gagne un marqueur +1/+1. On a le petit Black Lance Parangon, une 3-1 pour 2 flash quand elle arrive sur le champ de bataille. Le Chevalier ciblé gagne le contact mortel, le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc potentiellement booster le Chevalier de la Légion d'Ébène pour gagner des points de vie et peut-être détruire un bloqueur. On a Heartless Attack, pour 2 c'est un instantané pardon, qui permet de détruire la créature avec 100 marqueurs sur elle ou de retirer 3 marqueurs d'une créature, potentiellement un Krasis qui serait balancé à 4 par exemple, et bah du coup on lui dit et bah tu deviendras une 1-1. Et autant vous dire qu'une 1-1, déjà pour la bloquer, si vous avez une créature, pour la bloquer ça sera beaucoup plus facile. Et en plus de ça, bah, même si vous ne pouvez pas le bloquer, ça restera une petite menace presque insignifiante qui vous gagnera par contre petit à petit si vous ne faites rien et si vous n'inversez pas la tendance rapidement. On a ensuite le Kaisel Freebooter, une 1-2 pour 2 qui a le vol. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non créature et non terrain, comme Duress. Et il est exilé le temps que le Kitesail quitte le champ de bataille. Donc en gros, la carte vient de se placer sous le Kitesail. Et s'il meurt, l'adversaire récupère la carte dans sa main. Moi, j'ai fait des petits matchs, où, dans une vidéo d'ailleurs précédemment, je ne sais plus laquelle, où en fait le Kitesail, c'est simple, j'ai retiré des Vraz, j'ai retiré de la gestion. Et le mec s'est retrouvé en fait à deux Kitesail, 2-3. Et il s'est retrouvé avec plus grand chose en main, quoi. Ou en tout cas rien qui ne lui permettait de gérer mes créatures qui se développaient sur le champ de bataille. C'est aussi simple que ça.
Donc ça peut faire le taf, on a encore un petit côté contrôle là-dessus. Le Timaret Shoes from the Death, c'est une 2 étoiles. Pour 2, elle a une endurance égale dévotion au noir. Donc pour chaque mana noir représenté sur vos permanents, elle gagne 1 d'endurance. Donc ça peut devenir un très bon bloqueur avec une grosse capacité d'encaissement. Et en plus de ça, pour 2 mana, on permet d'exiler une carte d'un cimetière. Donc au revoir les Ouros ou autres cartes qui pourraient revenir avec le Lurus par exemple. Ça, c'est au revoir. Et en plus, ça peut vous faire gagner des points de vie si ce sont des créatures. On a ensuite 2 Hunted Nightmare. C'est une 4-5 pour 3. Donc pareil, on est sur quelque chose d'assez agressif. Il a la menace, donc ne peut être bloqué que par 2 créatures ou plus. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur contact mortel sur une créature qu'il contrôle. Donc le but, si possible, c'est de jouer ça quand l'adversaire n'a pas de créature. Ou en tout cas, on lui détruit et après, on joue le Hunted Nightmare, histoire que ben, en fait, ça soit une 4-5 pour 3 et que l'adversaire n'ait pas de bonus par rapport à l'arrivée en jeu de cette créature. On a un petit Murderous Rider qui va nous permettre de détruire un Planeswalker ou une créature comme on veut. Et après, ça devient une 2-3 lien de vie qui, quand elle meurt, elle revient dans la bibliothèque. On a 4 Rotting Regisor, la 7-6 pour 3 qui, au début de notre face, début de notre tour, en fait, en gros, on se défausse d'une carte. On a le Rankle Master of Prank, la 3-3 pour 4 vol célérité, qui, quand elle inflige des blessures à un joueur, nous permet soit de faire défausser chaque joueur, nous compris, de faire perdre un point de vie à chaque joueur et de piocher une carte, nous compris, ou que chaque joueur sacrifie une créature. Voilà. Donc c'est donnant-donnant, c'est lui et nous. Mais ce qui permet potentiellement, par exemple, le Rankle, ce qui m'arrivait de temps en temps, et bah, tout simplement, on se dit, bon bah voilà, l'adversaire il a 4 points de vie, j'ai une 3-3, je vais l'attaquer. Il ne pourra pas bloquer, il va prendre 3. Du coup, on active la capacité. Chaque joueur perd un point de vie et pioche une carte. Du coup, les 4 dégâts sont placés. Et derrière, c'est terminé. Ça peut potentiellement aussi permettre au chevalier de gagner un marqueur, vu que l'adversaire a perdu 4 points de vie ou plus pendant ce temps-là, grâce à ce petit Fairy Rogue. On a ensuite le Spawn of Mayhem, une 4-4 pour 4. Vol piétinement qui a un coup de spectacle. Donc, c'est-à-dire que si on inflige des blessures à un adversaire, au lieu de payer 4 mana pour jouer cette 4-4, on n'en paiera que 3. Donc ça fait 1 mana de moins à payer, ce qui est clairement pas négligeable. Donc au même titre que le Rotting Regisor le Rankle pour le standard, et sinon c'est le Rotting Regisor pour 3 mana. Et il dit, au début de votre entretien, il inflige 1 de blessure à chaque joueur, et si vous avez 10 points de vie ou moins, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc potentiellement, à chaque fois qu'on va perdre un point de vie quand on sera en dessous de 10, on va mettre un marqueur +1/+1, donc du coup la menace va grandir et devenir de plus en plus imposante. On a ensuite 2 Castle Lochwain et 20 Marais, donc ça nous fait 24 terrains. Et voici le petit contenu de ce deck. Du coup, comme d'habitude, un petit match non classé, histoire de voir un peu comment fonctionne le deck sur un environnement, pas compétitif. On va peut-être tomber sur des decks un peu chelous, bizarres. Mais c'est le but de voir un peu comment le deck peut réagir face à d'autres decks qui ne sont pas forcément compétitifs, ou en tout cas qui ne sont pas représentés au niveau compétitif. Alors, bah du coup, on va se faire un petit Timaret tour 2 et on verra bien. Ok. Là, j'ai une main qui est plutôt lente dans son ensemble. 10 000. Tendance à dégager ça. Est-ce que ça va être un deck défausse? Ok.
Je suppose qu'il va faire revenir ses créatures depuis le cimetière. L'oracle. Alors. On va jouer à cache-cache. Ça va faire comme ça. Qu'est-ce que tu prends? Je suppose qu'il va prendre la carte cachée. Ah non, il prend les... D'accord. Très bien. No problemo. Je n'attaque pas. Et je garde ça. Bon bah il l'avait déjà en main. Il peut pas attaquer du coup parce que j'ai ça qui l'en empêche. Je serais bien tenté de faire ça. Voilà. J'attaque pas, comme ça je peux bloquer son Atrice. Par contre, je risque de prendre le feu. Voilà, Giruda. Je vois pas avoir grand chose d'intéressant. Ah si, il y a un Rankle. C'est quoi, c'est pair ou impair? Ok. Plus à Death Touch, contact mortel. Ouais, du coup ça me va pas des masses. Puis là il va commencer à faire tassage Giruda, tassage Giruda, tassage Giruda. Ce qui est tout à fait compréhensible. J'aurais dû attaquer avec ton Giruda. Ah, t'avais peut-être peur que je le double bloc. Pas grand chose pour toi. Hein. Ça. Hein. Je vais garder mon petit... Et du coup, je peux encaisser ce petit 32, 37. Je suis pas forcément très très bien. Après, je pense qu'il va faire... C'est quoi? C'est le Atrice qui va... Ok. De toute façon, je comptais pas attaquer. Oh, il en avait un autre. Il
Bon, super en terrain. Ah, il va pouvoir jouer Tassa Oracle. Ok. Faut que je lui vide son cimetière. Là. Bon, tout son... Ce n'est qu'un marais. Il y a une jolie petite guivre qui fait moins 2, moins 2. Voilà. Allez. On concède. C'est parti. Non, c'était un deck très très bizarre. Did you have fun in this in the match? On s'en fout. Honnêtement, c'est ni l'un ni l'autre. Le fun, il était pas forcément là. Mais c'était pas non plus dégueulasse. Hein. Bon, du coup, on va aller en classer par rapport à ce petit deck-là. Et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on aura un petit peu un meilleur... Toute la partie agressive, en fait, elle a disparu du deck. On n'avait rien du tout. L'aspect contrôle, les petits... Tout ça, ça a très très vite sauté. Et du coup, on s'est retrouvé finalement avec un noir un peu lourd... Et clairement on n'a pas pu aller très très loin. Alors déjà on est un petit peu mieux. On a le chevalier et le... C'est bien. Et si on a un troisième mana, on va pouvoir choper soit claquer un Regisor, soit le Hunted Nightmare. Je vais avoir tendance à poser ça d'abord. Une 2-1 fait plus de dégâts qu'une... Oui, bien entendu. Est-ce qu'on va les choper? Ben oui. Bien entendu. Un petit Risen Reef. Bon, du coup, on va claquer un petit Regisor. Hein. On y va, on tape. Ah, il sacrifie son... Il y a une bête de 4 qui arrive après. Bloc. Donc du coup le Hunted Nightmare, je l'ai bien placé au bon endroit. C'est ce que je pensais trouver, un Groove Spiral avec le Kitesail, mais c'est pas le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là où ça va commencer à piquer. C'est là où... C'est là, par exemple, où... Tout simplement... Faire ça... Et ça... Ça peut être sympa. Voilà. Pas de wow. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ugin. Ah non. Il va le chercher. Bon, il l'aura pas. Bon, donc, du coup... 1, 4, 5, 6, 7, 8. On fait voir le champ de bataille. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec le 1 de dégâts. Donc il y avait l'étal ou au pire des cas je faisais plus 3, plus 3 sur lui. Non, j'avais pas l'étal avec plus 3, plus 3 sur lui. 5 et 4, 9 et un 10 et 2, 12. Non, j'avais l'étal avec... Avec Rankle. Bon, bah voilà. Petite victoire. Comme quoi, ça change. Hein. On est tombé sur un Dimir qui était pas non, oufissime. Et là, on s'est tapé un Simic que je suppose très fortement Ugin, qui est très long. Et comme il y en a beaucoup qui se baladent dans la méta actuellement, de jouer des decks agressifs, c'est clairement pas dégueulasse. Alors, pas forcément un mono rouge. Mais quelque chose qui a potentiellement de la consistance et qui peut faire des choses. Le Ouro, par contre, je l'aurais pas retiré. Il aurait pu le jouer, très bien pu le jouer le tour d'après. Et il avait une 6-6 qui bloquait. Et à chaque fois qu'il attaquait, il gagnait 3 points de vie. Et j'avais pas forcément de quoi
comment dire, de quoi contrer tout ça. Enfin, j'aurais dû bloquer et sacrifier beaucoup de perdre beaucoup de mes créatures pour du coup ok, d'accord, on est sur un truc blanc. Je sens que je vais te faire sauter un truc, moi. Ok, c'est bien ce qu'il me semble. Merde. J'ai été trop vite. Forcément, la Jenny from Med. Je puisse encaisser la Jenny. Je pense pas pouvoir tenir très très longtemps à ce rythme là. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il attaque avec 2, ça devient 5. Oh, il aurait dû attaquer avec. Faire ça, perdre beaucoup. Du coup, le team arrête, je sacrifie contre la Jenny. Et j'ai. Oh là là. C'est pas la peine que je continue. Non, c'est que j'ai perdu. J'ai rien pour gérer Eliod. Et du coup, il va booster tout le monde pendant que moi, je suis en train de galérer pour essayer de trouver une main potentielle pour essayer de faire quelque chose. C'est pas la peine de continuer, j'ai rien. Ce deck-là n'a rien contre, contre le gain de vie comme ça développé. J'aurais peut-être pas dû dégager Daxos, mais son petit ouais, je sais pas. J'aurais peut-être pas dû sacrifier cette créature, enfin la détruire trop rapidement. Je voulais éviter justement que quand il arrive sur le champ de bataille, il commence déjà à gagner des points de vie avec, avec Daxos. Et puis bah, il a eu son petit Adjani qui est tombé derrière et il a pu lui faire gagner des points de vie. Oula, alors ça c'est mort. Un mana, on laisse tomber, je garde ça. Du coup, on va essayer de faire peser une menace plus grande avec le Rigizor. Chelou cette plaine M21, très bizarre cet effet sablé de désert. Ils sont relous avec leur point de vie. Qu'est-ce que tu joues? Ok, donc tu joues. Ok, donc je vais pas attaquer. Je vais laisser attaquer pour qu'il. Je vais essayer de créer des anges avec ça, je pense. Autant te dire que je vais te proposer un petit rotting régisseur des familles. Et si t'as rien pour le contrer. Beaucoup les trucs comme ça, je t'en pète un. Ça. Il cherche son mana.
Il a pas son mana, du coup il peut pas jouer la Linzen. Et à partir du moment où il commence à prendre des dégâts, il va descendre beaucoup trop bas. Donc il est obligé de bloquer et de sacrifier ses petites cartes avec ses protections. Le but ça va être d'attaquer avec le Rotting et le Murderous Rider qui peuvent même le chevalier. Pour lui détruire ses créatures et que... Ah, du coup il va la poser. Le problème c'est que si t'attaques, je te bute absolument tout ce que tu vas... En fait, il n'y a rien qui passe. Par contre, Linden va... Qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord. Ah, tu give up? C'est... Tu vas en sauver un. Choix difficile. Oui, bah je me doute bien. Mais 4 et 3, 7, les deux meurent. Si tu double bloques ça, les deux meurent. Si tu bloques ça avec ça, tu te prends. Là tu vas te prendre tarif. Et tu vas pas pouvoir gagner 7 points de vie au prochain tour. T'as fait une trigger pour ton ange. T'as fait une trigger pour ton ange. Et du coup... Ah, un petit Adjani. Ok, très bien. Le temps qu'il monte au niveau du Regizor... Sachant que... Ah d'accord, ok. Ah bah, t'es mon gars. Aucun problème. Petit Daxos, très bien. Bon bah voilà, je pense que c'était la question, elle était vite répondue. À partir du moment où on est retombé sur un autre mono blanc qui fonctionnait un peu différemment, qui essayait de gérer des tokens ange, malheureusement bah, il était bloqué avec 2 mana. Il a voulu grid avec sa main à 2 mana et puis bah, finalement il l'a payé de sa vie. Voilà donc pour ce petit deck mono noir plutôt agressif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce, du coup, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.